Bonjour, bonjour. Alors, une petite vidéo très rapide aujourd'hui. On vous amène dans le Médoc, où c'est aussi un au pied-à-terre. Alors, on va vous faire un petit tour intéressant dans les vignes. Je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo. Et puis, voilà, donc ça, c'est très court, puisque, comme j'expliquais, en ce moment, on bouge pas beaucoup. Donc, on va essayer quand même de vous faire des petites vidéos intéressantes. Mais il y a moins de choses à découvrir. Mais ça, c'était vraiment un truc intéressant. Donc voilà, et puis ben, sinon, comme d'habitude, si vous voulez voir où on en est au jour le jour, ben, c'est sur Instagram, hein, Finances on the Road et El Borico Frances. A plus, à la fin de vidéo. Bonjour, bonjour, c'est Florence. Oui, je m'en ai. Mais c'était joli. Voilà. Le vaccin. Et de mettre aussi des images sur des mots. C'est bien grave. En plus, le variant. Super. On dans le Médoc. Si vous voulez. Le premier vin que je vais pouvoir vous. Bon alors, petite sortie dans le Médoc où la famille a des parcelles de vignes et là donc on est venu voir le propriétaire à qui on loue les parcelles de vignes et on va faire un petit tour pour visiter les parcelles. Tout a commencé dans les années 1920 et 1920. Et sont venus s'installer ici à Poujou. Et mon grand-père, qui avait toujours rêvé d'avoir le propriétaire, il a réfléchi parce que c'était mon père. Et il a planté de la vigne. Donc, donc voilà, ça c'est la parcelle qui est louée donc au château Branas, qui appartient à la famille. Et on nous dit que le propriétaire nous dit que c'est du très bon vin. Ça c'est pour le temps. Bon, je me rends compte que comme je vous parle, mes lunettes deviennent de plus en plus noires. Et bon, je suis en plein soleil. Mais profitons du fait qu'il fasse très beau, justement. Et puis, bah, comme c'est bientôt Pâques, bah, pour ceux qui célèbrent Pâques, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Et puis, bah, sinon, on va se retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, et merci de nous suivre.